Je te demande si tu veux te fiancer avec moi. Tu peux pas me l'offrir, cette bague. C'est ça. Merci. Seul jus de fruits, monsieur Edgar. Tu taffes en ce moment ? Bonjour. Bonjour, madame. J'aurais voulu voir des bagues pour les femmes, s'il vous plaît. Mon petit, ce sera le dernier client pour ce soir. Je peux vous proposer cette magnifique bague à 2700 euros. Ouais. Oui, bon, je crois que j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus discret. Au moins, tape à l'œil, si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre le modèle en dessous à 3200 euros. Non, attendez, je crois que je me suis mal exprimé. Quand je voulais dire moins tape à l'œil, c'était moins tape à l'œil portefeuille. Non, mais c'est pas vrai, je plaisante. Non, et puis finalement, elle est beaucoup trop discrète. Non, je vais rester sur le choix. 2700 francs, c'est bien. 2700 euros, monsieur. C'est encore mieux, 2700 euros. Vous pouvez pas savoir comme ma femme va être contente. C'est tellement gentil. Et pour un peu, j'aurais presque envie de vous l'offrir. Non, je plaisante. Mais merci. Au revoir. Vous voulez un petit sac ? Non, non, merci, pas besoin. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On ferme, là. Hein ? Faites attention ! Excusez-moi. Désolé, monsieur. Le magasin ferme à 10h30. Allons, laissez entrer monsieur, Nathalie. Mais... Bon, monsieur, n'ouspillez pas cette charmante demoiselle. Bien que le rouge qui lui monte aux joues ne soit pas pour me déplaire, j'adore le rouge. Je suis le seul fautif, j'arrive. Il n'est jamais trop tard pour un client élégant, je vous en prie, monsieur. Monsieur... Vicomte Évariste de Pourcent, attaché culturel à la principauté de Monaco. Ma fille fête ses 20 ans et rêve de posséder un bijou parisien. Elle en a déjà en provenance de toutes les capitales d'Europe, mais vous savez comment sont les jeunes filles. Et je ne suis à Paris que jusqu'à demain soir. Je comprends bien. Bref, je m'y prends à la dernière minute, mais je sais ce que je veux. Une bague, une belle bague, une très très belle bague. Quelle fourchette de prix ? Le prix de la bague, en liquide. Bien. Croyez bien, votre ultime altesse, que je ne puisse descendre le prix sous un seuil raisonnable. Raisonnable, justement, c'est le mot. C'est ce que je suis en vous proposant de régler en espèces. Comprenez bien. Nous avons des marges à respecter, des créanciers à régler, des fournisseurs à payer. J'ai une famille. Quelques petits excès, deux maîtresses, pas plus. Ah, merci. Qui me réclame chaque jour des argents de poche conséquents. Une femme qui me demande des appareils d'électroménager. Bon, écoutez, ma petite Nathalie, vous pouvez y disposer maintenant. Merci. Excusez-moi, pour l'écrin, est-ce qu'on pourrait changer la couleur ? J'adore le rouge. Je m'en occupe immédiatement, monsieur. Non, ma petite Nathalie, vous en avez fait assez pour aujourd'hui. Je m'en occupe personnellement, merci. Je vois que vous ne changez pas vos positions. Vous êtes un homme de principe. Je les respecte. Mais comment faire ? Comment faire ? Vous permettez ? Bien sûr. Merci. Excusez-moi.
Oui, bonsoir, le vicomte de Forsange. Je voudrais parler à monsieur Gobayachi. Je patiente, merci. Ce n'est pas grave, je rappellerai, merci. Bonne soirée. Je pense que la rallonge ne sera pas là ce soir, mais je serai votre homme demain matin à la première heure. Merci. Je vous accompagne. Merci encore, hein. Désolé, mais à demain. À demain. Au revoir. Au revoir. On ferme. Merci. J'adore le rouge. Je m'en occupe immédiatement, monsieur. On l'occupe personnellement, merci. Oh, tu l'as fait, tu l'as fait. Je suis désolée pour tout ce que je t'ai dit, je suis désolée. Je t'aime, mon bébé d'amour, je t'aime. Champagne ? Sur le tapis, une clé tourne sans bruit, un coffre s'ouvre en silence. Une main gantée de noir prend des paquets de dollars et les bijoux, les renoirs disent au revoir. Edgar, Edgar, prince de la cambriole. Edgar, Edgar, un gentleman, un milord, reparti dans l'ombre à l'autre bout du monde. Percer des cœurs et des coffres forts. Edgar, Edgar, pourtant n'a qu'une parole. Edgar, Edgar, c'est bien que le seul trésor est dans le cœur des belles. Leurs yeux et leurs dentelles valent bien plus qu'une bagne d'or. Blottie au fond de mon lit, rêve de revoir celui qui sur mon manteau blanc épingla une rose. Mais lui est déjà parti, très loin vers d'autres pays, chercher l'or et l'amour, son paradis. Edgar, Edgar, prince de la cambriole. Edgar, Edgar, un gentleman, un milord, reparti dans l'ombre. Transpercer des cœurs et des coffres forts. Edgar, Edgar, pourtant n'a qu'une parole. Edgar, Edgar, c'est bien que le seul trésor est dans le cœur des belles, leurs yeux et leurs dentelles.